Bakula, mais c'est que moi, il y a encore quelques mois, je me disais, bon, ok, là, je suis pas à 100% heureuse dans ma vie, mais je sais que je serai 100% heureuse quand je travaillerai dans la mode, par exemple. Alors qu'en fait, non, et ça, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue cet été, c'est que même quand je travaillerai dans la mode, que j'aurai mon job de rêve et tout, et ben ça se trouve, je serai toujours pas heureuse parce que notre cerveau arrive toujours à trouver des problèmes partout, et que là, aujourd'hui, vous avez beau vous dire, ah non, mais c'est sûr que quand j'aurai ça, je serai 100% heureuse, c'est sûr et certain, et ben soyons honnêtes avec nous-mêmes, vous savez très bien que quand vous allez atteindre la chose que vous avez envie d'atteindre, 2 jours après, votre cerveau trouvera déjà des trucs à redire, en mode, mais non, mais regarde, en fait, t'as pas ça, et ce serait mieux si t'avais ça, enfin, vous voyez, on sera jamais 100% heureux si on n'arrive pas à trouver ce bonheur-là au fond de nous-mêmes, et donc du coup, tout ça pour dire que tout l'amour, tout le bonheur, toute la confiance en vous que vous avez envie d'atteindre, genre tout est déjà à l'intérieur de nous-mêmes, et donc au lieu de chercher ces bons sentiments avec des choses physiques qu'on ne peut pas forcément contrôler, bah vraiment trouvez-les à l'intérieur de vous-même. Et c'est justement en trouvant ces bons sentiments à l'intérieur de vous que ça va se retranscrire dans votre environnement extérieur et pas l'inverse. Aussi, une autre chose que j'ai apprise, c'est ne pas oppresser ses émotions négatives. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens dans la loi de l'attraction. Et c'est surtout ça, les mauvaises rumeurs qui se répandent et tout sur TikTok. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, genre, vraiment toutes tes pensées vont se manifester. Donc, t'as pas le droit d'avoir de mauvaises pensées, t'as pas le droit d'avoir des mauvaises journées, sinon tu vas manifester des mauvaises choses. Alors que non, vraiment, c'est pas ça. Au contraire, et ça, je vous l'ai encore aussi dans ma dernière vidéo, mais au contraire, il faut apprendre à accepter toutes nos émotions, même les mauvaises émotions, entre guillemets, qu'on catégorise de mauvaises émotions, mais qu'il faut arrêter de voir comme des mauvaises émotions, genre bah, la tristesse, la colère. Au lieu de vraiment les repousser, ne pas les laisser rentrer en mode non, il faut pas que je les ressente, sinon je vais manifester des mauvaises choses, machin, et bah au